Donc, mon premier approche par rapport à ce mois, c'était la vitesse. Le débit de chantier, ça c'était mon truc favori, on va dire. Qu'est-ce que vous aviez avant? Un seul mois mon essai. En cirant. D'accord. Bon, bien sûr, pas le même, nombre de surfaces. Ouais. Donc vous êtes entrepreneur. Entrepreneur. Et là, vous avez eu beaucoup plus d'hectares à semer, des opportunités. Oui, voilà. Et vous avez déjà semé combien d'hectares alors avec? On va dire entre 300 et 350. D'accord. Donc que du maïs, hein? Que du maïs. Et vous pensez semer du colza, semer d'autres choses? Pour l'instant non. Mais bon, l'avenir nous le dira. Quoi. Mais vous pourriez le faire. Je pourrais le faire. Sorgho, betterave, colza. Là on a quel écartement? Le sol. 75. Écartement 75. Donc là, vous mettez en route les turbines. Les turbines. Là, j'accélère. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur le boîtier Orche, là, par exemple? Pour l'instant, on voit les turbines qui montent en pression. Quoi. Ouais. Donc il y a deux turbines. Il y a deux turbines. Voilà, maintenant je vais changer et je vais mettre ma page d'accueil. Il y a deux boîtiers. Il y a un boîtier supplémentaire, mais ça c'est juste pour le carbofurant. Le carbofurant, donc le micro-granulateur. Il n'a pas été mis dessus au départ. Il n'a pas été monté au départ. Alors on peut le vrai. Alors est-ce que c'est maniable? Vu la gabarit de l'engin, pour moi il est hyper maniable. Donc vous avez un Puma, un 160 CVX, oui, devant. Vous aviez un modèle porté évidemment avant, c'était porté. Vous avez eu peur en le voyant? Vous êtes dit oula. Première approche, je me suis dit, c'est immense. Ensuite, c'est Michael qui m'a un peu convaincu. Michael Orche, ouais. Michael Orche qui m'a un peu convaincu. Il m'a dit, par rapport à la semence, il vaut mieux l'équivalent, quoi, semence anglaise. Puis bon, après, j'ai dit, bon, déjà, mais là je suis hyper étonné de la maniabilité, de la portance surtout de l'engin, parce qu'attention, il y a du poids. Alors qu'est-ce que vous avez comme poids par exemple là? Vous mettez de l'engrais en même temps? On met de l'engrais et puis bon, ouais, ça fait du poids, ça fait juste à 6 tonnes par si les trémies sont pleines. Je peux mettre à peu près jusqu'à 6 tonnes d'angle. Plus le poids de la semence. Et au niveau de la précision d'enterrage? Alors l'homogénéité de la régularité du semis est très bon. Ouais. La précision, ça se règle facilement. Et puis après, stabilité des éléments, vous pouvez voir là, les éléments ils bougent pas. Ça pianote pas, ça ne pianote pas. Vous avez mis quelle pression? Là on doit être à 50 kg à peu près. On est dans quel type de terre là? Là c'est du limon sablonneux. On roule à 12 à l'heure, quoi. Ouais. Et puis bon, dès qu'il y a, parce que ça c'est vachement sensible. Quelles indications vous avez sur le... Et ça m'indique vent par an,
la moyenne de densité semée, quoi. Et là, ça, et surtout les écarts entre les doublons. Ouais. C'est-à-dire entre, l'écartement entre les doublons et entre les espaces, les graines trop espacées, on va dire. Donc là, vous êtes en RT40. RT40. Je fais juste ça pour couper les rangs. Ouais. Et là, on est en automatique ? Ouais. Là, ils sont coupés. Et là, je les remets. Non, mais en automatique, avec le GPS, on pourrait... Ah non, non, il n'est pas compact. Non, il n'est pas branché. Mais on pourrait l'avoir. On peut l'avoir. Le gros avantage, donc, c'est la vitesse, c'est la précision, c'est ça ? Et s'il y avait quelques... Est-ce qu'il y a déjà eu quelques pannes, quelques petits défauts ? Aucune que panne. Vous voyez ? Que dit tiens, ça pourrait être amélioré, ça pourrait être... Après, il y a des petites améliorations à faire, c'est sûr. Ça peut être quoi, par exemple? Donc, en condition extrême, le disque... Fertiliseur emmène trop de terre humide sur les routes jauges, sur la route, une des routes jauges de l'élément semeur. Et c'est ça, c'est un peu gênant.